J'adore ce son. Il me fait voyager à chaque fois que je l'écoute. Il y a quelqu'un à la porte. L'enré. Ouais. On frappe. Donne-moi une taf. Je vais voir qui c'est. Il fait beau. Quoi de... Baissez le son de la musique, voulez-vous? Oh. Alors, quoi de neuf? Éteignez ce truc, s'il vous plaît. Ok. Je vous écoute. Je suis désolée que nous ayons fait connaissance de la plus mauvaise des manières hier. Mon époux et moi avons décidé de... Est-ce que ces cookies sont pour nous? Oui. C'est pour vous souhaiter la bienvenue. Et cette enveloppe que je tiens contient les directives à suivre pour un bon voisinage. Les ganja cookies. Super. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Vous ne... Ce sont les plus délicieux cookies. Hey. Ouais. Qui c'est? Les meilleurs qui existent. Eugénia, c'est vrai que ce truc est à base de couches? Ouais. T'es sûr? Goûte un peu ça. Ok, chérie. Donne un bout. Tiens. J'adore ces lèvres. Basta. Votre vie pour les cookies. Oh, viens par là, chérie. Ouais, je suis là. Oh. Oh, le vilain garçon. Oh, je t'adore. Tu dois être bluffé par mes compétences. Ça aurait été toi, il nous aurait épinglé. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu plaisantes ou quoi? On dirait que t'as oublié que j'étais bébé. Moi, tu veux qu'on parle de vitesse? Et sache que j'étais un mal là du volant. Et ça, tout le monde le sait. Ouais, et même c'est la, ça. La police, c'est qui je suis? Ils me connaissent très bien. Ils m'ont vu dans la caisse, alors ils ont renoncé. J'étais le Fast and Furious, le vrai. Et puis quoi encore? Et tu sais, chérie, j'étais comme une vibro, ma soeur au volant. Il y a une bagnole qui approche, tu la vois? Une bagnole. Hé, où est-ce que tu vas, espèce de peureux? Tu ne vas tout de même pas me laisser toute seule? Non, je n'allais nulle part, tu sais qui c'est. Comment je le saurais? Et maintenant? Je crois que c'est le voisin. J'aime vraiment pas. Non, j'aime pas beaucoup ce que je vois là, si tu veux savoir. Hein? Et comment tu fais pour être si relax, dis-moi chérie? Pourquoi est-ce que je ne le serais pas? C'est ma bagnole, non? Relax, tu veux. Il vient de se garer. C'est juste le voisin. Hein? Oh purée, j'ai failli me pisser dessus, tu sais. Les clopes, où elles sont? Mais on a fini de fumer toute la beuh qu'on avait. J'espère qu'il y en a encore à la maison. Je suis en manque. Et puis je vais rentrer. Je suis fatiguée. Attends, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers moi. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas chez lui? C'est quoi son problème? Belle chemise en tout cas. Il a dû nous aperçu voir dans la course poursuite. Il vient nous parler. Ok, soyons le plus naturel possible. Qu'il fasse vite que moi je vais rentrer. Bonsoir. Salut. Salut. Comment allez-vous? Bien. Ouais, bien. On va bien. Eh, le lâche, notre voisin. Mais pourquoi tu me traites de lâche? Réponds-moi, hein. T'essaies de me chauffer, c'est ça? Je vais te punir. Juste pour que tu vas bien. Je ne suis pas un lâche. Cool. Vous en êtes sûr et certain? Tout baigne. Ça roule. On va bien. Soyez rassurés. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Va rejoindre ta cruche. Elle t'entend? T'as remarqué son air sérieux? Vous allez bien? Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Bonne nuit. Quoi? Quoi, t'as envie qu'on le fasse ici, c'est ça? J'ai rien demandé, j'ai juste bougé.
T'es sûr? Attends, non, 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 ne cause pas de problème. Non, chérie. Viens là, bébé. Tu sais très bien qu'on a rien fait aujourd'hui. Non. Bébé, j'ai envie de toi. Non, allez, qu'est-ce que t'as? Écoute, pas ça sera rapide, pas ok? Maintenant. Oh, oui, je le savais. Lanré, réveille-toi, il y a un cafard dans la maison. Vite, aide-moi à le tuer. Quoi? Il y a un cafard dans le coin. Où ça? Juste là, il est énorme. Bébé, t'es sûr que c'en est un, ça? T'as vraiment fait ça? C'est juste une blague. Écoute, c'est pas drôle de me réveiller de cette façon, ok? C'est bon, te fâche pas, je rigolais. Désolée, chérie. Alors, dis-moi. Quoi, chérie? Qu'est-ce qu'on a à bouffer? Je sais pas trop. Et parce que j'ai une faim de loup. T'as quoi? J'étais presque sûre qu'il restait du moins dans la cuisine. Où est-ce qu'ils sont? Tu sais, je les ai frits avec de la farine d'igname. Ah, bébé, quel jour on est? On est mardi aujourd'hui? Non, mon rendez-vous! Ton rendez-vous! Non, mais bébé, t'aurais dû me rappeler ça! T'aurais dû me réveiller à 6h du mat! C'est fichu! Ça m'était complètement sorti de la tête. Est-ce que t'as vu le second pied de mes chaussures? Attends, mais c'est ma brosse à dents que tu utilises! Non, mais c'est quoi ces conneries, Lanré? J'ai fait une erreur. Désolé, chérie. Ok, pas de soucis. Mon Dieu, je suis en retard. Bébé, dis-moi, tu sais où est ma chemise porte-bonheur? Et c'est à toi que je parle, chérie. Est-ce que t'as vu ma chemise? Je suis en retard. Aide-moi, là. Mais... Regarde dans le carton, là-bas. Mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas... Rince bien ma brosse à dents, je ne veux pas de germes. Je l'ai laissé dans le lavabo. Et mes slippers, tu les as vus, chérie? J'ai retrouvé la chemise. Bébé, et mes slippers? Le second pied? Je n'ai retrouvé qu'un seul pied. Je ne sais pas où est l'autre. Purée, mais où est-ce qu'il est? Bébé, dis-moi. Ah, le voilà. Quelle journée. Tu viens tout juste de te brosser les dents et tu viens boire ce truc. Tu vas critiquer tout ce que je fais aujourd'hui? Super, c'est bon le moins moins. J'ai défrit des ignames, le moins moins est fini, j'ai vérifié, il n'en restait plus qu'un petit morceau. Écoute, j'entends rien de ce que tu dis, où est le moins moins? Ne me stresse pas s'il te plaît. Mais tu m'as dit qu'il y en avait à l'instant. Bébé, tu m'as dit qu'il y a du moins moins, comment ça se fait qu'il y en a plus? Tu les as mangés avec moi? Puisque tu es un gros gourmand, eh bien il n'en reste plus. Ça, écoute, c'est trop peu pour que je puisse tenir toute la journée, tu comprends? Pourquoi tu me fais ça, bébé? Je te ferai ta soupe à Fang. La vraie Fang? L'original. J'ai fou! Fais-moi descendre! Merci, t'es la meilleure. Maintenant, fonce. La soupe à Fang, hein, tout à l'heure. Ouais, si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, ok? Ça marche. Il faut que je file à mon rendez-vous. Non, non, je fumerai à mon retour. Pourquoi pas? Prends une taf et tu vas te sentir mieux. J'ai dit à mon retour. Là, c'est bon? On se fait un dernier? On peut le faire ici? Ah, pas question. Allez, va-t'en. C'est tout ce que toi, tu sais faire. Casse-toi. Je sais que t'en as envie. Tu n'obtiendras rien. Je suis prêt à le faire. Tu n'auras rien, j'ai dit. C'est trop drôle. Okay, allez, prends ta bouffe. Donne-moi ça. C'est mieux que rien, de toute façon. J'espère que j'ai rien oublié. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Je t'aime. The other day I found out with the police. Tu auras droit à des œufs au plat et de l'avocat. J'adore les œufs au plat.
spécialement quand ils ont été faits avec de tels doigts de fée, trempés dans un tourbillon d'amour et d'attention. Shidi, j'aimerais que tu jettes un œil à ça. Monsieur Gadget n'a aucun problème. Exactement. Sauf qu'il n'a jamais été aussi en alerte depuis que ces gens ont débarqué dans cette propriété. Est-ce que, comme moi, tu as remarqué que depuis qu'ils sont arrivés, la bonne atmosphère qui régnait a été emportée par une sorte de nuage sombre? J'ai comme un mauvais pressentiment. C'est comme une bombe à retardement. Eugenia, tu deviens paranoïaque. Je sais reconnaître un démon, je peux le sentir. C'était quand la dernière fois que tu as ressenti ça? Ce chihuahua gris que tu as varroyé, ce chien était de couleur grise. Bref, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'était un danger pour personne. Mais ses propriétaires nous ont presque accusés de vol. Ouais, mais tu as envoyé leur chien chez le vétérinaire. Ils nous ont même offert un carotte cake pour nous remercier de l'avoir retrouvé et de nous en être occupés pendant tout ce temps. Je sais que tu ne prends pas cela au sérieux, mais leur venue ici ne présage rien de bon. Mon Dieu, en plus ils sont nigérians. Tu sais ce que ça veut dire? Je ne veux pas qu'on soit pris au dépourvu. Raison pour laquelle tu dois t'occuper de cette famille. En effet. Et ce sera ma plus grande priorité. Écoute, garde un œil sur le détecteur de fumée. S'il se déclenche, ça voudra dire une seule chose. Est-ce que je prends ça? Ouh! Je pense que... c'est... Comment tu peux être aussi gourmand, hein? Dites-moi que c'est une blague. Qu'est-ce qu'elle fout là? Si tu veux manger, alors fais les courses. Est-ce que c'est clair? T'aimes bien la soupe au bono, n'est-ce pas? Alors, tu vas me commander 2 paquets de noyaux de mangue sauvage. J'ai pas mal d'épices en réserve, mais le bac à gargue est presque à sec. Tu m'écoutes? Donc tu vas te rendre au marché voir cette vieille dame. Comment elle s'appelle déjà? Ogogo Mama. Passe une commande de... popogari. Et aussi de banane plantain. Ouais, c'est ça. J'en suis pas sûre. Peut-être plus de poissons séchés feront l'affaire. Tu m'entends? Ok. Attends. Faudra aussi commander... mais laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Et j'ai du mal à t'entendre. Où est-ce que tu es? Ok. S'il te plaît, chérie, ne fais pas n'importe quoi. Et surtout, appelle-moi si tu as oublié quelque chose. Je compte sur toi, ok? On se parle plus tard. Ok, ça marche. Hey! Bye bye. Je t'embrasse. Je suis contente que vous aimiez cet article. Vous savez, la rapidité d'exécution est mon point fort. C'est du jaune brûlé, en fait. C'est une dérivée de la couleur or. Le jaune brûlé, vous savez, est si doux et attirant et tellement raffiné. Et c'est le parfait complément à votre peau et vos cheveux. J'ai tellement envie d'être à votre place. Enfin, la matière... Janelle, puis-je vous rappeler? C'est une urgence. Merci pour votre compréhension. Bye. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, Seigneur. Diantre. Tout va bien. Le détecteur de fumée s'est déclenché. J'ai cru que la maison était en flammes.
y a pas de quoi. Peut-être que s'il y en avait un dans cette pièce, j'aurais pu éteindre ce feu. Je peux voir le vôtre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Bien sûr. Venez avec moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Par ici. Vous voyez? Mon époux et moi, nous nous sommes bien assurés que... Vous avez détruit Vous avez détruit mon dîner. Vous avez bousillé la nourriture que je faisais pour Lanré. Qu'est-ce qui cloche chez vous? Qu'est-ce que je vais lui dire quand il va se ramener à la maison? C'est de l'huile ordinaire que j'ai mise sur le feu pour préparer le dîner et vous vous pointez dans mes quartiers pour foutre le bordel? Vous êtes dingue? Excusez-moi. Excusez-vous, ouais, c'est ça. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce que je dis. Je vais vous le redire pour que ça soit clair. Vous êtes venu dans mon appartement pour ruiner mon dîner. Pourquoi? N'avez-vous aucune idée de ce qu'on utilise pour faire de la friture? On utilise de l'huile de palme, ok? Que l'on met dans une casserole. Vous savez quoi? Vous et votre détecteur d'huile de palme ou de fumée, peu importe. Eh bien, vous pouvez aller vous faire foutre. Ah! Elle est là, mon bébé. Papa est à la maison, ma puce. Salut. Ah, comment tu vas, ma chérie? Tout va comme tu veux. Ah. Te voir dans la cuisine, ça signifie qu'il y a quelque chose de bon qui se prépare. Oh, purée, ma braguette était descendue. Aujourd'hui, elle n'a fait que descendre. Et tu filmes quoi, là? T'en veux? Laisse-moi tirer une taffe, j'en ai besoin. Je suis totalement en manque. Je tire quelques-unes et je te la rends. Bébé, tu sais quoi? Au bureau. Il y a cette meuf qui bosse en tant que secrétaire, tu vois qui c'est? Elle m'a proposé de me servir dans le paquet de donuts qu'elle avait sur son bureau. Je lui ai répondu que non, je n'en voulais pas. Mais elle m'a donné des donuts en les posant devant moi. Refuser l'aurait vexé. Ah, diantre. Tout va bien? Je regardais la donut et la donut me regardait. On se regardait droit dans les yeux. Il y avait de la crème au chocolat là-dessus. Je me suis dit non. Lanré, rien ne pourra t'empêcher de savourer cette belle soupe à fang faite en ton honneur ce soir au dîner. Alors, mon pote, maîtrise-toi. Bébé. Et s'il te plaît, passe-moi un petit verre. Je vais prendre un apéro pour faire de la place, tu sais. Et donc, je n'ai rien avalé. Ce que je veux manger, c'est ma soupe à fang et rien d'autre. C'est fou, ça. Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. On m'a proposé des donuts. Des donuts contre à fond. Tu sais, bon. Attends, bébé, tu n'as même pas avalé un petit truc cet après-midi? Mais je n'y ai même pas pensé. Je crevais la dalle, mais je voulais pas prendre le risque de manger et être assasié. Ok. Mange ça pour l'instant, mon chou. Non, s'il te plaît. Je veux aller droit au but, tu comprends? Je ne veux pas d'entrée, je n'ai qu'une seule envie. Oublie le gari et apporte-moi la fang. La soupe.
À Fang, c'est ce que je veux. Ne me regarde pas comme ça, bébé. J'ai envie de rien d'autre. J'ai pas envie de donuts. J'ai pas envie de Gary. Concentrons-nous sur le principal. La Fang, c'est de ça qu'il s'agit. Tu me l'apportes? Chérie. Moque-moi, c'est ça, tu veux me pousser à bout, tu fais durer le plaisir. Alors comme ça, pour que j'aie droit à ma soupe à fondre, tu voudrais d'abord que je te supplie. Oh, c'est à moi de me servir. Ok, c'est bon. Je vais me servir. Bébé, tu ne changeras jamais. Pas grave. Je suis habitué. L'Henri. Où est-ce que c'est? Tu vois l'instincteur qui est posé là? Hein? Il y a eu le feu à la maison? Viens t'asseoir que je t'explique ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'après-midi. Bébé. Dis-moi, tu vas bien ?